Donc au cas qui pour permettre travail n'a bien pour réaliser pour ne pas réaliser ou font gros faute parce que peuple haïtien aujourd'hui à le comprendre j'ai clair il voit bien qui veulent parler il comprend bien que aujourd'hui a pas de pays sous la terre qui a développé sans courant pas de pays sous la terre qui a développé sans route pas qu'un pays sous la terre qui a développé sans de l'eau pour les jardins sans de l'eau pour pas de pays sous la terre qui a développé sans l'éducation. On ne paye pas qu'à camper pour gagner plus de 10% de monde qui n'a pas payé à l'école. Pour nous résoudre le problème, nous avons besoin de construire un seul coup 15 000 salles de classe. Pour nous résoudre le problème, nous avons besoin d'entrer dans la formation continue avec 123 000 professeurs dans le pays. Et bien, pour le faire, c'est COB que nous avons besoin. Bien, COB, ça, leur a dépensé mal, leur a gaspillé dans le pays, leur a pas gagné monde qui a courage, qui dans la tête de l'État, qui vous dit qu'il faut s'affreiner, il faut nous camper là, pour avoir un problème. C'est pour ça que le premier ministre dans le valet de prévention corruption, corruption sont assemblés. Si nous arrêtons pour nous parler de corruption dans le pays d'Haïti, qui problème corruption, rien n'a fait jour, rien n'a pas fini. Ça veut dire, ce n'est pas une question de chèque zombie seulement. Ce n'est pas une affaire de monde qui a fait surfacturation seulement. Mais monde tout qui a bien gros moment l'argent l'État parle sous compte chaque mois. Et puis, ou encaissé le sang que service. Que l'État a tatoué, je ne pas jouer, c'est corruption. Le tout. Corruption de tous côtés. Je vous dis à nous-mêmes, nous disons, nous parlons et nous prenons responsabilité. Nous, c'est ça que fait. Dernier conseil des ministres que nous avons déclaré avec chaque ministre qui est dans la salle. Tout le monde prend chaque jour. Chaque monde prend courage à demain. Parce que je vous dis, son pays qui a 30 ans, 40 ans, 50 ans, depuis des bons monde jouent un job l'État, c'est pour nous déformer. On moun konn de bon moun président moun nan c'est président millionnaire ça veut dire si m'd'a travail m'd'a fait million déjà m'a fait mais jodi a m'prend pouvoir m'la pour me servir peuple là yo paye mon chèque yo l'état prend tout ça m'te gen sous compte moi l'état prend en charge m'pa konn rien m'pa rien qui sous compte moi mais jodi a faut m'prend courage moi même Jean moi nan il avache m'commencer faire route il avache m'relé compagnie m'ta parler premier ministre pour compagnie en Minchita. L'État vient en bail 4 800 000 dollars sous aéroport et la vache. Mais c'est pour quoi que nous avons perdu. Nous allons continuer pour nous continuer de travailler à l'aéroport. Nous allons faire une négociation avec compagnie, plus que travaux publics. Nous avons un pack d'équipement sous l'île. Nous allons utiliser pour nous réduire le montant de sécurité, pour nous capables de finir l'aéroport, pour nous faire la vache en vraie destination touristique. Parce que cette histoire, c'est parler pour nous parler sous problème. Aujourd'hui, l'État, il faut nous aider pour nous attaquer, pour nous résoudre. Courant 24 sur 24, je parle. Il a vache. L'un finit de faire route là. Nous allons installer un réseau électrique sur 30 km. Et nous allons installer 2 MW d'énergie solaire sur l'île à vache. Avec batterie, tout ça. Ça veut dire pour l'île à vache, il y a un courant 24 sur 24. Et zone qui recule, le programme qui est pas éclairé pour aller sous l'île pour avoir une lumière. Il a vache. Les gens qui ont un projet pour faire un gros projet touristique dans les îles, l'État met route, l'État met courant et l'État met de l'eau tout. La quantité de l'eau qui est sous l'île à vache, ça nous vient comme rapport qui sort dans le ministère des Travaux publics. Nous avons un déficit de près de 80 mètres cubes l'heure sous l'île. Si vous mettez un système de désalinisation, j'en ça fait dans tout le pays. Pour ça, nous nous rappelons. Pour nous prendre l'eau dans la mer, pour nous retirer le ciel là-dedans, pour nous mettre sous l'île pour gagner 100 mètres cubes. Normalement, cherchons un point qui pire d'après ça m'y a comme rapport, point qui pire sous l'île à 150 mètres de hauteur pour nous aller là-dedans, pour nous faire un réservoir, pomper de l'eau, mettre dans l'air pour tout le monde qui a un projet pour aller faire l'hôtel dans l'île à vache, pour jouer de l'eau, pour jouer de courant, pour jouer de route. C'est ça nous dit. Ça veut dire nous pas prêter pour nous comprendre un pays, nous diriger et puis ces problèmes seulement pour nous. C'est pour nous venir à la solution. Dans affaires data, dans affaires internet. Nous dit que le pays n'a pas qu'à vivre sans communication. Ça veut dire Haïti aujourd'hui a un gros problème. Le monde aujourd'hui a travaillé pour aller dans la cinquième génération. Jusqu'à présent, c'est dans la troisième génération. Nous dans 3G. Ça veut dire nous ne pouvons même passer dans 4G. Et l'autre pays a réfléchi pour aller dans 5G. Bon goût, mais bon bataille. Il y a 14 mois, disons 15 mois depuis le président. Chaque monde a bon nouvelle sur les affaires 4G. Nous prenons une décision pour les résoudre. Pour qu'il y ait 4G à travers tout le pays, pour qu'il y ait un système de fibre optique, c'est ça, il y aurait les systèmes, infrastructures pour affaires, technologie,
n'a travaillé pour que l'État ait une infrastructure dans les affaires technologiques pour que tout pays, toute zone dans la République d'Haïti, ce n'est pas que c'est Port-au-Prince pour leur besoin download un programme, il faut venir côté, côté bien plus Internet. Ça veut dire. Pays à son, c'est 27 750 km². Elle dit, comment pourrait être, par exemple, on en zone fort liberté et pourtant de pas Internet là? Ou bien Internet ou rien sur Internet ou car sur Facebook seulement ou bien ou capable ou pas ou Internet normal. Moi dis ça c'est pour le fini. Faut tout pays. Haïti il y a 10 départements, faut 10 départements qui Internet même avec tout côté. Et pour le fait, il y a des gens qui sont privés, qui ont dans le pays qui travaillent dans le domaine ça. Nous parlons chita avec eux d'ici le mois prochain pour nous poser problème. Non? L'État a un petit coup de boule entrée qui est très intéressant pour nous, un bon petit coup. Qui vous permettent pour nous faire réseau électrique là, que nous allons venir sous les, pour nous expliquer nous que nous avons un réseau électrique pour nous construire. Nous voulons parler de réseau électrique national là. Pendant notre travail pour faire courant 24 sur 24 là, mais c'est pour nous travailler tout, pour zone métropolitaine là, par exemple, côté nous dessiner aujourd'hui, parce que là, pour une zone bras neuf, côté qui est tout groupe là, dans la zone côte des Acadiens, pour arriver jusqu'à Léogane, c'est zone métropolitaine là. Nous avons un réseau électrique national qui a connecté toute zone ça dans le premier temps. Parce que nous avons fait réseau électrique là en deux phases. Nous avons fait réseau métropolitain d'abord, et puis ensuite nous avons fait réseau national. Là. Réseau national, là, il doit durer 3 ans, il doit durer 4 ans. Mais réseau métropolitain, l'entrée en dans 15 mois, nous avons arrêté pour nous mettre courant 24 sur 24 dans le pays. Pour que nous ayons près de 11 sous-stations, disons, il y a 8 qui existaient, disons 9, il y a 1 qui est tout 9, il y a 8 lots qui ont même eu pour le réparer, et il y a 3 lots pour construire. Sous-station, c'est eux-mêmes qui pour permettre que distribution courant dans la zone métropolitaine soit bien faite. Mais pour nous tous comprendre, les affaires courant, ce n'est pas un bail qui est dans la Lune ni qui est sous Mars, c'est sous la Terre. Tout l'autre pays sur la Terre a un problème courant, il résout. Pour qu'ils soient en Haïti, nous avons un problème courant, nous ne pouvons pas résoudre. C'est un problème de mentalité. Le map parle d'affaires courant, je veux dire, aujourd'hui, la cap gardem là, c'est pour nous croire que ça est possible. Il y a fait nous croire que ce n'est pas possible. Et puis, c'est fait nous croire que ce n'est pas possible. On gens a mis l'autre petit problème parallèle qui a été empêché pour retirer le focus sur les affaires courantes. Nous, les affaires courantes, nous regardons comme ça. Ça veut dire que nous sommes dans les yeux. C'est courant, moi, 24 sur 24, et c'est là que nous allons. Parce que nous, tous dans le pays, nous souffrons de ça. On ne paye pas qu'à l'homme, regarde les 4 solaires au pays d'Haïti. Son seul petit côté dans 4 solaires, là, qu'on petit couleur vert. Toutes 4 solaires, là, tout rouge. Ça veut dire tout territoire paré pour produire courant à l'énergie solaire toute année. Et puis combien de mégawatts d'énergie solaire l'État produit en Haïti? Zéro. Zéro. Et puis ça pas fait personne. Tout le monde, c'est normal, on paye côté de volume solaire. Ça. Combien de mégawatts d'énergie solaire l'État produit? Zéro. Et je dis, combien de mégawatts courant tout pays a besoin net en général? 800 mégawatts. Total. C'est ça que nous avons besoin. Avant, il y a un ministre d'État de l'Inde qui vient dans le bureau. Moi. Et puis, il m'a parlé de l'énergie solaire avec lui. Il dit, oh, nous-mêmes, nous avons un gros projet là sur l'Inde. Je me dis, monsieur, qui projet lui? Monsieur dit, l'Inde a travaillé pour le produit 121 tétrawatts courant. Le peuple attendait bien. Je me dis, comment est-ce qu'on a? Je me dis, 121 tétrawatts. Bon, là même moi, mon technicien, là, on me dit 121 tétrawatts. Yo tétrawatt égale à 1000 gigawatts. Un tétrawatt égale à 1 million mégawatts. Nous même nous avons besoin de 800 mégawatts. Et puis, nous tout traités. Comme tu avais dit, pays, ça, nous avons un cerveau. Nous même nous avons l'autre bagaille. Je me dis, je ne vais même comprendre. Monsieur, Monsieur travaille pour le produit 121 tétrawatts. Nous-mêmes, nous avons besoin de 800 mégawatts. Un tétrawatt égale à 1 million mégawatts. Nous-mêmes, nous avons besoin de 800 mégawatts. Bon conscience pour nous, les gens qui ont lu dans le pays, les gens qui ont écrit, je dis, il faut commencer à réfléchir à l'autre gens sur le développement du pays. Frontière le monde, pas qu'à pas qu'à l'Asie ou à Guanamet pour nous. Haïti sont plamés. C'est 11 millions de gens qui vivent sur 27 750 km². Il y a des villes dans le monde qui ont 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois
une fois mon ça me saute dans sommet des Amériques au Pérou la ville de Lima j'ai dit 10 millions de monde qui vivent non ville et puis ici dans pays nous gagne 11 millions et puis nous pas jamais comprendre fuck nous avons une vision partagée faut nous faire moun yo comprendre que gens vivent là c'est pas ça et gens pour aller vivre dans l'autre façon c'est leur yo accepter que l'état pour jouer rôle mais rôle l'état aujourd'hui dans affaire courant c'est pour mettre énergie électrique dans tout pays nous t'entendons pile parole à parler là nous parler avec Kaipa m'éclairer il y en a qui dit est-ce que c'est Kaipa m'éclairer courant 24 24 là oui là dans tout parce que moun k'ap viv nan 5e section communale et nan commune Tibiouan est-ce que réseau électrique la k'arrive sou li non il pa k'arrive sou li faut nous cherchons gens moun sa pou nou bal courant parce que c'est nan pays la viv tout c'est ça qui fait kay pa m'éclairer nous monter programme nan gen 800 000 moun d'après ça m'yen comme chiffre tout gen 800 000 familles k'ap viv nan condition ça nan pays n'a met courant kay tout 800 000 moun sa net. Et puis, environ 2 500 000 familles en Haïti, reste qui était à 1 700 000 là, nous-mêmes, nous parlons sous micro-réseau, sous mini-réseau, et puis sous gros réseau. C'est ça. Ça veut dire, tout ça pour nous faire, déjà pour nous faire courant, nous allons résoudre. Ça veut dire, aujourd'hui, je voulais que presse, là, que nous avons une grosse occasion, ça. Je remercie nous. Nous, là, aujourd'hui, ensemble avec nous, nous avons fait ce dialogue, ça. Je vous dis pour nous comprendre que les affaires courant, c'est pour les affaires de slogan. Courant sont réalité. Nous parlons de route, nous parlons de courant. Nous, ouais, nous sommes visualisés tout ça dans la vidéo. Mais nous ne parlons pas de courage. C'est un point qui est important en pile. Pays, il y a environ 284 rivières qui peuvent jeter dans la mer. Rivières sèches, rivières qui ont de l'eau dans l'eau. Le plus gros problème que nous avons aujourd'hui, 90 à 95% de ville nous yo fait soit avant une rivière ou après une rivière. Et il y a une ville même qui est en de rivière. Par exemple, la ville de Hinch. Il y a une rivière qui est en Hinch ou pour avant. L'eau a quitté Hinch ou pour une rivière Guayamont. Ça veut dire Hinch est en mitan de rivière. Le jour de rivière, ça. L'idée d'a dit, on dit, on a un problème mauvais temps. Nous allons aller vers nous dans des Hinch en bas de l'eau. Bah, qui va jamais faire non? Ça veut dire, il faut nous commencer le travail aujourd'hui. Hein? Pour le ministère de l'Environnement, il travaille dans la protection du bassin versant, dans la correction de la ravine. Pour le ministère de l'Agriculture, lui-même travaille dans le curage rivière. Pour nous bailler de l'eau à route, conseil de rivière, tout, nous travaillons pour nous mettre des barrages, ça veut dire réservoir sur rivière. Ça veut dire pour nous conserver de l'eau. Le, dans pile la pluie, l'époque sécheresse la venue, pour nous utiliser de l'eau pour nous pomper pour nous arroser terre pour nous pomper pour nous mon boire parce que de l'eau rivière gars pile pays sur la terre par exemple Cuba qui c'est un pays qui tout près nous d'ailleurs nous gars pile technicien qui cubain aujourd'hui qui travaille avec le ministère de l'agriculture qui c'est le ministère de planification qui lui même fait contrat de paiement avec eux mais le gouvernement cubain ben nous presque 15 bons experts qui travaillent dans affaires barrage d'irrigation aujourd'hui. Et nous avons un plan pour nous quitter 12 barrages d'irrigation dans le pays. Dans 10 ans, dans 4 ans, 4 ans. Mais nous commençons le premier barrage là, sous rivière Marion. Et nous profiter pour remercier la direction ça qui est dans le ministère des Travaux publics. C'est le laboratoire national du bâtiment et des travaux publics. Qui c'est des gens qui travaillent jour et nuit. Dans l'étude géophysique avec géotechnique qui a fait sous barrage. Et moi, dit directeur, promesse que le fait devant le ministre, je suis joli. Il dit que le a fait étude 7 barrages chaque année, depuis que l'équipement qu'il faut. Et je connais le ministre a fait des marches pour que l'équipement ça reste l'équipement que le laboratoire national a besoin de rentrer. Pour nous gagner capacité dans le pays pour étude géophysique, nous, géotechnique, nous, c'est nous qui faisons. Et la faculté des sciences aujourd'hui qui gagne une série de. Ingénieur qui a formé, je connais un cours de master 1 et 2, je connais une formation master 1 et master 2 en géosciences. Ingénieur ça pour venir renforcer le laboratoire national du bâtiment pour que l'étude géophysique, géotechnique, dans tout le pays,
pour qu'il y ait un barrage qui a construit dans tout le pays. Parce que, pas de pays sur la terre qui aime déraper le développement, ce n'est pas lui-même qui réfléchit. Si nous connaissons un pays qui dérape le développement, ce n'est pas lui qui réfléchit, bon qui veut. Ou fin déraper le développement, l'autre pays qui a vu un support pendant qu'on dérape là. Mais c'est vous-même qui baille le développement en orientation. Je dis, c'est samedi, à travers le ministère de la Défense, l'armée que nous remobilisons, jeunes garçons, jeunes femmes qui sont dans l'armée, d'ailleurs, je connais un recrutement qui va le faire quand même année ça, et nous avons un prochain budget, qui pour permettre que nous ayons d'autres jeunes garçons avec jeunes filles qui rentrent dans l'armée, pour y aller au travail, j'aime te dire, pour y aller faire guerre contre sous-développement, guerre contre problème environnement qui est dans le pays, pour y aller faire la guerre contre corruption, la guerre contre surfacturation, la guerre contre tout ça qui n'est pas bon. Avec nous-mêmes, nous disons, c'est pour l'armée que nous allons mettre sous pied, qui pourra regarder pour faire perturbation politique. Ce n'est pas ça que nous avons besoin. Aujourd'hui, dans la situation côté pays, dans le changement environnemental que nous avons subi en Haïti, nous avons besoin que tout Haïtien mette tête ensemble. Nous avons songé, en 2016, ça qui passé en Haïti. Aujourd'hui, heureusement, si nous avons frappé par une catastrophe, le ministère des Travaux publics, le ministère de l'Agriculture, il y a une quantité d'équipement qu'il faut pour ne pas besoin. Au contraire, nous avons un équipement pour nous aider des gens. Nous avons une quantité qu'il faut pour nous prendre tête nous en charge. Nous sommes un peuple qui est fier. Nous ne sommes pas prêts pour indiscipline nous, mettre nous dans une situation côté de Dieu aujourd'hui. Nous disons, Jean aujourd'hui, nous discipliner dans tout équipement ça qui est venu. Toute direction départementale, il y a responsable d'équipement. Nous ne pouvons pas prendre équipement pour nous mettre sous compte en grain de monde. Ça va exister. C'est ça où on leadership collectif, on leadership participatif pour gagner équipement dans tout pays, chaque département responsable d'équipement. Et dans le niveau ministère agriculture, nous avons deux unités de curage. Il y a une qui commence dans la rivière Blanche, une autre qui a dérapé samedi prochain dans la rivière Nakaem, par contre, c'est Mathieu ou bien Coujol. Coujol, dans la rivière Coujol, qui a dérapé samedi matin. Là, nous dit deux unités de curage. C'est pour un petit grain de tracteur, non? Nous parlons de la télévision, le peuple. C'est un pile gros bulldozer pour le travail pour que nous curions la rivière dans le pays, non tant record, pour éviter la rivière pas à la poter mon aller, la rivière pas entrer dans la ville, nous mettre la rivière dans le wall. Pour ça faire barrage d'irrigation, nous commençons avec une unité là, même quoi que le ministère de l'Agriculture, d'ici fin année, nous avons deux autres unités. Ça veut dire que nous avons trois unités de barrage. Nous avons fait trois barrages ensemble. Nous avons dit combien nous avons construit. D'ici fin année, nous avons la possibilité de faire trois ensemble. Ça veut dire trois barrages, nous avons fait ensemble à travers le pays. C'est pour me dire, nous, en termes d'infrastructure, nous parions. Équipe solide, ça, là, parions. En termes d'infrastructure, pas oublier pour tout le travail que vous faites, je nous souhaite garder le projet social. Il est important en pile. L'on garde le cadre de pauvreté pays. Le cadre de pauvreté pays, il y a des zones dans le pays qui sont rouges. Ça veut dire que les gens, c'est des gens qui mangent une fois par semaine. Ce n'est pas demain matin ça va changer. Ça veut dire que c'est tout un travail. Pour nous capables de mettre de l'eau dans les zones, ça veut dire que c'est puits pour nous fouiller. Pour nous mettre de l'eau, pour nous user tes mouns, pour nous mettre dans une situation de travail, mais en attendant, il faut nous manger. C'est wall projet social. C'est pour ça que nous, pour une grosse décision, là nous sommes montés sous pouvoir, nous avons joué un programme qui était campé depuis un an, il faut le dire, qui était 400 restaurants, mais qu'on y a, nous augmenter, nous passer de 400 à 775 restaurants communautaires que nous avons fait un test dans le mois de décembre. Nous résoudre tout problème qui vient, nous t'es campé en janvier et nous allons recommencer qu'on y a à partir de tests que nous faisons, nous géolocaliser tout restaurant, nous venir sur une nouvelle forme pour que dans tout pays, chaque jour, Haïtiens qui achètent un plat de manger, ça veut dire que les gens vivent dans une zone qui est plus pauvre, en attendant que nous soyons capables d'augmenter la capacité de production nous, pour que les gens manger pour acheter dans tout pays. Programme panier solidarité. Côté. On est obligé de distribuer des rations sèches par les gens pour jouer une possibilité, pour jouer un paquet qui va manger trois fois par semaine. Distribution, ça fait chaque semaine, on a distribué manger ça dans tout le pays. Son gens pour nous dire tout le monde, programme social, on a travaillé, maman chérie, Corée, étudiant, Corée paysan, on a travaillé pour nous retourner dans la place.
mais nous connons ça veut dire nous sautons des présentateurs laisse dresse cochon la pute cochon grand pile arbitrage pour faire grand pile équilibre pour joindre dans dépenses l'état et c'est équilibre ça que n'a cherché joindre aujourd'hui et n'a demandé tout le monde qui a vivre dans zone ça faut qu'on connait que aujourd'hui bon l'état qui ouais bon l'état qui songe bon l'état qui pas oublié et n'a bien pour nous vivre sur parce que j'en nous commencé à n'a vivre sur tout le monde parce que mon pays qui est dans situation pays d'Haïti situation ça c'est pour une situation qui est facile de lier les mandats pile sérénité les mandats pile tête frais même j'en nous état généreux lancé mais c'est en façon pour tout haïtien commencer chita parler ensemble et c'est là moi-même comme président aujourd'hui hein, gouvernement qui là conseiller mieux nous-mêmes nous avons une stratégie nous avons des programmes nous avons des plans nous présenter mais moi connais que grand pile monde dans société qui grand pile l'autre bon bagage qui dans tête yo c'est pour ça aujourd'hui hein, nous créer espace dialogue ça pour tout le monde parler entre eux pour comment nous est futur dans 15 ans disons dans 5 ans dans 10 ans dans 15 ans dans 20 ans dans 25 ans cap vin c'est pour ça dialogue ça li important en pile pour nous tout pour nous cap chita parler ensemble parce que nous avons trop longtemps l'autre c'est méfiance seulement qui est établi dans tout pays li l'heure pour la confiance chita en Haïti pour yon moun ka kwè non l'autre lors dit mon bagaille na soué ou bien hier soir me font réunion avec vous nous fin discuter on bail puis demain matin on entend son l'autre bagaille dans radio. Ça veut dire ça ne dit à deux et pas le cas dans la radio. Ça veut dire puis l'oreille les monde nous dit oh intel ça qui passe là ça te pas les plus ah mon cher président c'est politique n'a fait. Ça veut dire comment une société nous cap on pas capable parler comme ça politique n'a fait moi même me dit tout le monde ça retem 3 ans OK 10 mois et quelques jours ça veut dire moi même je pas mieux me compter. Avec dit élection doit faire dans pays il faut une élection pour renouvellement OK d'une manière démocratique moun qui la pour diriger pays moi même en 2023 pas moi cap là mais société a faut nous mettre nous ensemble pour nous dire mais comment la société nous moi même font proposition me dit mais qui ça m'a fait route m'a mettre et barrage irrigation m'a mettre lumière n'a mettre de l'eau n'a construire l'école parce que pour qui ça me parler de 15 000 salles de classe. On prend exemple combien de monde qui paraît pour aller à l'école chaque année. Si nous avons pour chaque année, ces gens nous sont dans le documentaire là, c'est 35 écoles que nous construisons. Nous ne pouvons jamais mettre à l'école. Pas de stratégie nous mettre sous pied. Nous ne pouvons pas connaître si son crédit, même si nous avons fait montage pour l'équipement. Parce que vous ne pouvez pas l'équipement vous achetez pas l'État. Vous achetez au cash. L'État prend un crédit. Qui a monté la Banque centrale de permettre nous arriver jusqu'à 150 ou 160 millions de dollars. Et puis chaque mois, le ministre finance donc là, il dégage pour payer banque privée, prêter les coûts pour acheter l'équipement, il paye chaque mois. Avec dit, sous 4 ans, nous finissons payer l'équipement. Même Jacques l'école, c'est même stratégie ça pour nous faire. Parce que nous obligés de construire 15 000 salles de classe dans le pays. C'est une obligation. Si vous ne pouvez pas faire tous les 15 000 ensemble, ou dans une situation côté chaque année, où les petits mouns sont servicieux liés. Il faut arriver non pour finir construire toute l'école et puis qu'on nous dit qu'on a besoin par exemple de 1000 salles de classe chaque année. Et puis qu'on y a une programmation à travers le ministère de l'Éducation nationale où construit 1000 salles. Mais qu'on y a une obligation pour nous construire 15 000 salles de classe dans le pays. Et c'est ça qu'on a fait. Dans le niveau ministère de santé, nous avons 122 sections communales qui parlent de centre de santé sur eux. Mais il faut construire tout de suite. Nous n'avons pas attendre pour nous dire que nous avons construit 3 centres de santé en Isa. L'année prochaine, nous construisons 6. Non, c'est pour nous construire 122 centres de santé et puis qu'on y a nous connaît chaque année, mais qui s'est gagné dans le programme. Les hôpitaux de base, le conseil de commune dans le pays qui n'a pas de service de base en matière de santé. Il faut nous connaître quelle quantité vous avez pour nous construire tout hôpitaux de base immédiatement. Infrastructure sportive. Nous avons près de 30 terrains qui construisent dans le pays déjà. Il y a plus l'autre côté qui mérite. Non seulement faut nous travailler pour nous réhabiliter ça bien là, pour nous quimber. Mais deuxièmement, c'est pour nous construire l'autre côté qui n'a pas gagné. Pas de pays sous la tête vivre sans infrastructure.
infrastructure c'est eux qui pour priorité nous. Et c'est pour ça pendant n'a parlé de réforme dans l'état, n'a fait monde entrer dans l'état dans affaire concours, j'en nous saute fait dans ministère agriculture, dans direction départementale, le directeur qui nommé là, c'est des directeurs qui sont passés dans concours. Même gens avec 82 bacs qui viennent dans le pays, je parle de bureau agricole communal. Comment pour un bureau agricole communal camper et pour garder les gens qui la donnent? Je ne vais pas dire ça parce que. Mais l'essentiel qu'on y a, c'est agronome pour nous parler. Avec 82 bacs dans le pays, je parle de 82 agronomes qui ont minimum 3 ans d'expérience et des jeunes qui parlent passer dans le concours. Nous parlons ouvert concours, nous parlons de parti politique, dans la religion. Qui sait ça qui intéresse nous, on connaissance aujourd'hui, l'État ouvert porte là. Pour qu'on ait qu'on même vienne composer. Ou passer, son concours lié, 10 000 ingénieurs agronomes qui viennent composer. Mais 82, ça crée un premier, je n'ai pas. Avec dit ça, nous clair pour nous dire que aujourd'hui, nous formons l'État. C'est les meilleures compétences de ce pays, c'est eux que nous mettons qui pour travailler, qui pour servir l'État. Moi, qu'on est que journée en longue, si je m'arrête de parler de ça, nous y a comme projet, et ça me fait déjà d'après toute journée, hein. C'est ça que fait m'a fini pour me dire nous merci. Merci que nous devenons. Merci. Et moi, je pense que c'est une question, je m'apprends une question. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde et bonjour président Luc Nergaro, Radio Télémétropole. Président, projet en pile, yo bel, le optant de yo réalisé après 5 ans en Haïti, car on l'autre gens, c'est ça ou dit, c'est ça ou voulez. Maintenant, il y a un frein considérable, c'est l'argent, c'est l'économie, 144 milliards de gouttes, c'est le budget pays d'Haïti et il n'y a pas sûr privé à Tenni, vous avez supposé qu'on peut rectificatif. Qui place renforcement économique en gagnant dans la caravane. C'est si la caravane dans son stratégie. Ça va dire là, on n'a pas fait sans l'argent. Et de plus en plus, pour l'autre international, on a diminué sur ça contre Haïti. Renforcement économique en lui-même, il passe par qui ça, en la caravane, qui place de gagner dans la stratégie et comment nous allons faire ça. Merci, très, très bonne et très belle question. Forme dit que pour le budget rectificatif, là, et nous avons excédent budgétaire. Le ministre des Finances là, ce n'est pas que son budget nous prend à la baisse parce que nous avons des promesses. Elle dit si dans le niveau, lors de mon budget, il y a deux parties. Il y a investissement et puis il y a fonctionnement. Ça veut dire dans le niveau budget d'investissement, nous avons des promesses que les partenaires internationaux ont fait nous. Si les promesses ne sont pas respectées, ça veut dire là, mon budget rectificatif que nous obligé de prendre. Ça veut dire à la baisse par rapport à la promesse. Mais pour ça, faire rentrer eux. Il faut nous dire que la prévision était 94 milliards, aujourd'hui nous avons environ 200 milliards. Ça veut dire que la prévision nous a augmenté. Nous devons être clair pour nous comprendre pas ça. Pour les affaires qui placent les affaires économiques dans la stratégie de la caravane, il faut nous dire que ce n'est pas toute bagaille en matière stratégique que nous avons dévoilé devant la presse comme ça. Il faut nous dire que notre travail. Pour que aujourd'hui nous ayons des fonds de garantie qui entrent dans le pays, pour que par exemple, agro-industrie, développement agro-industriel vienne en réalité. Parce qu'il ne faut pas oublier, l'argent trop cher en Haïti. Ce n'est pas que l'un dit l'argent trop cher, nous voulons parler de crédit. Parce que le crédit qui vient dans le pays, c'est un crédit qui permet de consommation seulement. Ça veut dire un crédit qu'on a à l'acheter pour revendre. Mais pas un crédit qui permet de faire investissement dans la production.
Mais qu'on y a un travail pour qu'il y ait des instruments que nous avons à travers le ministère des Finances, à travers la banque centrale, pour que la banque privée nous capable de garantir, même si ça a fait dans la sous-traitance, là, une série de monde aujourd'hui qui a construit des parcs industriels privés dans le pays, mais c'est l'argent qui est garanti par la banque centrale qui a besoin de prêter à des taux d'intérêt qui sont entre 5 et 7%. Et quand tu tout taux de référence aujourd'hui dans le système financier en Haïti, il est presque 14%. Mais priorité par nous, on par exemple agro-industrie qui sont dans la priorité, nous avons travaillé pour nous joindre des fonds de garantie qui permettent que nous baillons un taux d'intérêt. Ça veut dire qu'on a un monde qui dit qu'on a besoin de monter une usine de décorticage de riz dans le pays. Ou besoin de prêter. Et bien, canalisons le ça pour dans le fonds ça, pour permettre de joindre des crédits appropriés, des crédits qui ne peuvent pas dépasser entre 5 et 7%. Radio Télé-Galaxy, président Caravane de Lancier au niveau de la Tibonite. Nous connaissons un objectif Caravane de la Tibonite, c'était l'augmentation de la production du riz. Et ancien ministre de l'Agriculture a dit que la production augmentait, mais qui ça qui fait que sous marché local, le prix du riz local n'a pas baissé? Eh bien, il faut me dire que c'est la loi de l'offre et de la demande, son principe élémentaire en économie. Nous avons besoin de 600 000 tonnes quand tu t'en achetais. Presque 500 000 tonnes. Bon, faut me dire, avant qu'on ait lancé dans la Tibonite, nous avons produit environ 80 000 tonnes, mais qu'on y a 120 000, on sait plus ou moins. Ça veut dire qu'il y a entre 30 et 40 000 tonnes en plus qui ont augmenté. Maintenant, ça n'a pas assez pour baisser le prix sur le marché. C'est pour ça que je vous dis, il y a pile stratégie que nous avons par exemple, semences. Dans le pays, nous avons produit 2 000 tonnes de semences pour toutes 2 000 tonnes de semences du riz seulement. Mais qu'on y a un travail pour nous sortir de 2 000 tonnes à 20 000 tonnes. Ça veut dire, nous avons trois plaines de production. On a parlé de trois grandes plaines. La vallée de la Tibonite, la plaine de Maribao et la plaine de Torbec. Mais pour trois plaines, nous avons produit 2 000 tonnes de semences. Et là, pour parler de production, le premier côté pour aller, c'est dans l'intrant. Nous parlons de semences là, nous parlons d'engrais, nous parlons de l'eau. Ça veut dire, ça, c'est des gros contraintes. Je ne dis pas que jusqu'à présent, vous avez pour augmenter la production du riz dans le pays. Le prix du riz n'a jamais diminué si nous ne travaillons pas pour aller vers une augmentation considérable de production. Nous avons dit pour au moins pour nous arriver, pour nous faire 70-30. Ça veut dire que nous avons produit 70% et puis qu'on y a là maintenant, nous achetons 30%. Parce que les voisins, en République dominicaine, ils ont mangé presque la même quantité de riz avec nous. Mais ils ont acheté. C'est 15 000 tonnes seulement. Ça veut dire nous-mêmes pour ça. Et puis sur 85 000 hectares dans la production du riz. Là, on va aller la Tibonite, pleine Maribao, Torbec, beaucoup même parler de l'autre type, pleine Solon, pleine d'Abraham, ou presque dans 75 000 hectares. C'est pour me dire que nous avons une capacité, sauf que même actuellement, il y a fait plus que 10 tonnes d'hectares, nous-mêmes, nous avons fait moins que 3 tonnes. C'est pour ça que je vous dis, il faut un travail pour augmenter la productivité. Nous. Et puis là, ça a. Pour prier, mais ce n'est pas demain matin. C'est tout ton travail. C'est pour ça que je dis, le peuple a compris ça clair. Ce n'est pas demain matin où vous dire pour changer, pour sortir dans 80 000 tonnes, pour aller dans 500 000 tonnes. C'est tout un processus. Il faut nous travailler sur le système de drainage valide de la Tibonite, qui est un problème. Nous travaillons pour que le reste de drainage la fête. Parce que en pile, le monde comprend que la production agricole, c'est aux États seulement. Drainage là, est aussi important que de l'eau. Je veux que tout le monde comprenne ça. Ça veut dire évacuation de l'eau, est aussi important que réception de l'eau. Et dans la vallée, nous avons pile problème d'évacuation de l'eau parce que nous avons pile terre qui n'a pas de capacité de production dans la vallée. C'est parce que de l'eau n'est pas évacuée ou bien mal évacuée. Bonjour, je donne un sénat pour le journal Le Nouvel Lycée Magique 9. Monsieur le Président, sur le projet de construction aéroport Ila Vachla, vous parlez d'une avance de 4 800 000 $ que vous faites avec une compagnie. D'ailleurs, nous allons vous plus de détails sur ça. Qui compagnie vous fait avance là, les contrats, détails contrats, c'est qui ça? Et qui rapport qui gagne entre projet ça avec un ancien projet de construction aéroport Ila Vachla qui était financé par le Fonds Petro-Caribé, nous connaissons qui était campé. Bon, exactement, j'avais dit non. Dans la continuité de l'État, alors, ou bien dit, ce n'est pas nous-mêmes qui venons rencontrer nos compagnies. Dans le dossier, nous venons joindre. Nous joignons compagnie Estrella de recevoir 4 800 000 dollars déjà pour l'aéroport. Et compagnie Estrella, qui est en fait plus aéroport
on parle de travaux de terrassement, c'est pour revêtement à 80% fini. Le nalé, c'est ça nous constater. D'ailleurs, le ministre est allé, il a vaché dans l'avion. C'est sous piste là. Nous n'avons que faire nettoyer parce que piste là, il a existé. Maintenant, décision que nous prenons, plus que l'État prend charge pour faire 23, disons, environ 30 km qui vient sous Ilea, l'État a un équipement lourd sous Ilea et pour transporter l'équipement sous Ilea, c'est un pile travail. Maintenant, nous dit que nous allons demander au ministère des Travaux publics pour chiter avec compagnie, puisqu'il y a 4 800 000 dollars dans le déjà, et contrat a dépassé pour environ 20 millions de dollars. Maintenant, pour 14 millions, disons 15 millions de dollars créés, comment pour nous faire? Parce que l'État est là, nous avons un équipement sous Ilea, qui entend qui a fait pour baisser le prix de sa créé, et puis pour le construire, puisque comme il y a un compagnie, il y a un fonds de travail pour lui. Donc, nous ne pouvons pas prendre le monde qui est pour payer à perdu. Ce n'est pas nous-mêmes qui faisons un nouveau contrat. Son contrat qui était là déjà. Maintenant, nous-mêmes, nous là. Et nous avons pile équipement sous Zilea et même Vito pour aller regarder le volume de travail qu'on fait sous Ilavage aujourd'hui. Hein, pour avec Jouet Pau, avec dit qu'on y a tant de négociations pour que entre 14 et 15 millions qui étaient, hein, si nous avons baissé la donne pour équipement l'État qui est l'autre bord. Nous devons tout utiliser qui pour permettre avec reste comme ça, nous devons faire plus de travail que l'aéroport dans l'Ilavage. Merci beaucoup, Président. Nous prenons trois questions locales. Nous ne connaissons si un représentant presse internationale qui l'a. Sinon, nous remercions le président de la République là, et son excellence Jovenel Moïse pour belle présentation que l'il fait jeune aujourd'hui. De qui ça qui fait, qui ça cap fait et qui ça pral fait dans la caravane changement. Nous félicitons tout le président Jovenel Moïse, à toute administration, là, y compris le premier ministre Dr. Jacques-Guy Lafontaine, pour toute action ça y est cap fait, particulièrement dans la caravane, là, pour mettre le pays nous définitivement sous chemin de développement. Nous remercions tout la presse, parlée, écrite et télévisée qui a fait déplacement. Auditrices, auditeurs, téléspectatrices, téléspectateurs, merci encore. Voilà, amis téléspectateurs Télévision Nationale d'Haïti, c'était conférence pour la presse spéciale que président de la République, là, son excellence M. Jovenel Moïse, l'établit dans le cadre de la célébration premier anniversaire, lancement caravane, changement, qui était fait le 1er mai 2017 passé dans la localité La Grange. Commune Saint-Marc, département de Tibonite. Nous avons rappelé le 1er juillet 2017, la caravane a été lancée dans le Grand Sud et puis 7 février 2018, caravane changement a été lancée dans tout le pays. Eh bien, le président de la République a présenté un bilan dans ce qui vient avec la caravane et changement. Et c'est dans la perspective ça, chef l'État, tu rencontré la presse journée aujourd'hui. Il y a parmi diverses réalisations qui faites dans la caravane qui touchent différents secteurs, notamment agriculture, environnement, route, rénovation, différents villes, santé, l'eau potable, assainissement, éducation avec électricité. Eh bien, chef l'État a présenté divers travaux parmi eux et construction quelques routes dans différentes communes et installation quelques usines asphalte et département l'Artibonite dans département sud et dans pays a gain travail tout ca fait dans domaine électricité côté chef l'État a renouvelé engagement pour doter pays a de ça qui gain avec électricité 24 sur 24 d'ici 15 mois. Chef l'État on l'autre côté tout li mettait accent sur ça qui gain avec l'argent que caravane li même et de montant que caravane lui-même l'a effectué. Faut que nous dit que et chef d'après propos président Jovenel Moïse, caravane n'a pas gagné rien pour avec un programme de propagande, mais plutôt c'est une stratégie que le gouvernement mettait sous pied pour capable permettre que et service capable déconcentrer pour joindre moun ande population. Voilà, amis téléspectateurs, Télévision Nationale d'Haïti, en gros, et conférence pour la presse, a été basée plus précisément
et d'abord, il a commencé avec un documentaire côté où il a présenté différents travaux caravanes. Ensuite, le président de la République là, est venu parler pour être capable de porter plus de précision dans différentes activités que caravanes a fait. Dans ça qui vient avec le projet président, projet chef d'État et projet gouvernement, le chef d'État promet pour gagner construction route et construction environ 15 000 salles de classe. Et puis pour capable permettre tout environ 123 000 professeurs joindre une formation continue dans ça qui gagne avec internet chef l'état promet pour pays à gagner internet 4G tout pays à en général gagner internet 4G donc le gouvernement a travaillé pour ça et puis chef l'état a tout lui montré importance construction route et puis avec interconnexion lui montré importance construction route interconnexion gagner dans ça qui gagne avec développement pays. En gros, amis téléspectateurs, télévision nationale d'Haïti, hein? C'était comme ça, parole, il a parlé jeudi, hein? Président de la République, là, qui a rencontré tout le monde et jeudi, hein? Tout le monde de la presse qui sortit dans différents côtés dans le pays, la hein? Presse internationale dans tout. Et l'activité s'est déroulée en présence membre gouvernement et il était déroulé tout en présence conseiller président de la République là, dans différents domaines. Donc voilà, amis téléspectateurs, c'était Télévision nationale d'Haïti depuis Palais national, côté chef d'État a présenté un bilan. Il a présenté un bilan une année après lancement caravane changement qui était fait en 1er mai 2017 là, dans la Grange, plus précisément dans le département de l'Antibonite. Nous avons demandé pour être branché Télévision nationale d'Haïti pour suite programmation. Quant à nous-mêmes, nous avons dit au revoir et merci beaucoup pour attention et fidélité.